Comme le Seigneur dit, venez à moi comme les petits enfants. Like the Lord say, come to me like little children. Alors nous allons appeler les petits enfants de l'école dimanche pour un chant spécial. We're gonna call little one from Sunday school for a special song. Les enfants de l'école dimanche rapidement. Sunday school children. Shalom à vous. Nous voulons juste interpréter la chanson des frères de Trinidad intitulée New Things. Et c'est ce dont les enfants vont chanter tout à l'heure. Dieu vous bénisse.
God bless the little ones. Nous savons que Frère Branham nous dit Brother Branham says que les conversions à Christ
that they convert in Christ. C'est souvent avant 21 ans. It is always before 86% des conversions à Christ. He says 86% of converting Christ. Alors si les enfants peuvent donner leur vie au Seigneur, so if little one can give their life to the Lord, ce sera une très bonne chose. That will be a very good thing. S'ils peuvent être, s'ils peuvent grandir dans la foi, if they can grow up in faith, c'est une bénédiction pour nous. Then it is a blessing to us. Alors nous allons prier le Seigneur. So shall we pray the Lord? Dieu bien-aimé Père céleste, beloved God, our heavenly Father, nous voulons nous approcher de la parole. We want to come closer to the nous word. Voulons écouter ta parole. We want to listen to thy word. C'est pour cette raison que nous sommes ici. That's why we are here. C'est pourquoi nous prions, Seigneur. That's why we pray, Lord. Que ta grâce descende, Seigneur. That your grace descend. Que tu puisses oindre le prédicateur. That you will anoint the preacher. Que ça ne soit pas lui qui puisse parler. Let it not be him speaking. Mais que tu puisses parler au travers de lui. But you speaking through him. Bénis ce moment, Seigneur. Bless this moment, Lord. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alors nous allons inviter le frère Grace Mutombo pour nous apporter la parole. So we're gonna call sous brother vos Grace acclamations. As you are coming. Vous êtes arrivé visiter notre église à Gapao. Nous sommes tous contents de vous recevoir. Nous sommes tous joyeux. Soyez les bienvenus. Nous vous saluons cet après-midi au nom du Seigneur Jésus. We greet you this afternoon in the name of our Lord Jesus Christ. Je disais, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus Christ. I was saying we greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Veuillez vous mettre juste un petit moment. You may be seated for a while. Mettez-vous d'abord. Donc, je crois que ceci est une grande bénédiction pour nous d'être venus ici. I believe this is a great blessing for us to be gathering here. Et surtout que nous sommes dans la maison du Seigneur. Mostly because we are in the house of the Lord. Alors c'est pourquoi avant que l'on commence, je voulais remercier le pasteur numéro 1 de cette église. That's why before we start, I would like to thank the number one pastor of this church. Lui là, c'est le pasteur Jésus-Christ. He is the pastor, Jesus Christ. Je le remercie d'avoir permis que je sois devant son assemblée cet après-midi. I thank him for allowing me to stand before his people this afternoon. Et je remercie son représentant légal dans cette assemblée. And I thank also his representative in this assembly. Il s'agit du révérend pasteur Andrew Nikus. It's about the reverend pastor Andrew Nikus. Je le remercie pour cette invitation. I thank him for this invitation. Il m'a invité, j'étais encore depuis en RDC, il a dit qu'il voulait que je sois aussi ici. C'est ainsi que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu le bénisse. I was still in RDC when he invited me to come here. So may the name of the Lord be blessed. Et puis je voulais saluer mes papas que je vois ici, les anciens. I would like also to greet my fathers, the elders that I can see here. Tels que vous les voyez là, ce sont mes papas. As you can see them, they are my fathers. J'aurais bien voulu me mettre là-bas et les écouter et m'apprendre. I would rather sit there and let them be here preaching. Parce que quand je les écoute prêcher, j'apprends quand ils me prêchent. Because when I'm hearing them preaching, I'm learning a lot from them preaching. Mais le Seigneur a voulu que le choix puisse tomber sur moi.
But the Lord made that way for the Lord to fall upon me. C'est aujourd'hui à 12h que le pasteur Andrew m'a dit que je devrais prêcher. It's only today around 12 that the pastor Andrew said that I must preach today. Alors je dis seulement à vos ordres. I say okay to your command. Et que Dieu vous bénisse aussi d'être venus tous pour God écouter la parole also de Dieu. For coming to hear the word. Ainsi, tenez-vous debout, nous allons lire la parole. Thus, shall we stand and read the word? Et pendant que vous vous tenez debout, je voulais remercier tous les serviteurs de Dieu qui ont prêché ici depuis le début de cette réunion. And while you are standing, I would like to thank also all the preachers that preached before me in this place. Tous, ils ont été des meilleurs. All of them, they have been the best. They was the best. Alors, the best. Allons avec moi à Marc 4, le verset 11. Let's go to the book of Mark, chapter 11. Marc 4, le verset 11. Mark 4, verse 11. Je vais lire seul, comme ça, pour que l'on gagne du temps. J'ai lu seul. J'ai lu seul. Yes. Tu n'as pas la peine de lire. Il leur dit, c'est à vous qui a été donné les mystères du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Dieu de William Branham, God of William Branham, nous te bénissons, Seigneur. We bless thee, Lord. Alors brise pour nous ce pain. Come and break the bread for alors us. Que nous ne comptons que sur toi et toi seul. Why, Lord, we only wait upon you, only you, Lord. Tu connais nos faiblesses. You know our weaknesses. Mais toi, tu es fort. But thou art strong. Nous remettons tout entre tes mains. We commit everything in thy hands. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. In the name of our Savior Jesus Christ. Accorde-le, Père. Grant it, Father. Amen. Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. You may be seated, please. Donc, le grand thème a été déjà commencé ici. So the great theme started already here. Et tous ceux qui ont prêché, ils nous ont fait comprendre que ce qu'est la maison de l'Éternel. And all of them that came before me that made it clear about the house of the Lord. Je crois que tous nous avons déjà l'image ou l'idée sur le grand thème qui a été donné. I believe all us we know already what is about all this theme. Alors moi, je ne vais plus retourner peut-être sur ce qui a été déjà posé comme fondement. So I'm not going back to upon what was laid as a foundation. Mais je vais prendre un peu l'aile que peut-être tous vous connaissez. But I would like maybe to take the angle, different angle that maybe mais you know. Je vais pouvoir présenter cela selon la grâce que Dieu a placée sur moi. And I would like to present it according to the grace that the Lord has bestowed upon me. Je vais parler sur un sujet que j'ai intitulé. I would like to speak on a subject which I've entitled. Dénombrer, c'est-à-dire compter. Dénombrer. Numbering. Hein? Moi, je comprends pas l'anglais, mais je ne sais pas si c'est ça. Yeah, numbering. Dénombrer, c'est-à-dire ce qui est compté. Yes. Dénombrer. Yes. Counting. Hein? Dénombrer. All right. Okay, deducting. Il y a le dénombrement. Faire le nombre, c'est-à-dire. Oh, counting. Uh-huh. Yes. Counting, Wana. Yes. Counting. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Yes. Uh-huh. Dénombrer. Numbering and reducing. Dénombrer. And counting. Mais écarter. But put aside. C'est ça le sujet. That is my subject. Dénombrer. Counting. Mais écarter.
yet put aside. Je serais très content en te voyant saluer ton voisin. Dis-lui, dénombrer, mais écarté. Counting, but put aside. Salut deux, trois personnes en désordre. Dites-les, dénombrer. Say counting. Mais écarté. Yes. Amen. Counting, but put aside. Mais écarté. But put aside. C'est ça le sujet que nous allons parler avec vous. This is my subject tonight. Dénombrer. Counted. Mais écarté. Yet put aside. Donc, je ne vais pas sortir dans le grand thème. Je serai toujours là-bas. I'm not going out of the subject. Mais j'irai un peu de la manière dont j'ai reçu ce que nous allons partager avec vous. Yet I will be going the way I've received it. Ici, en Marc, il est dit. Here in Mark it says. Sois rapide, mon ami, comme il y a d'autres qui doivent venir. Ici, en Marc, il est dit. Here in the book of Mark it says. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. It said, to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. Ici, c'est Dieu qui montrait à son peuple. Yeah, God speaking to his people. Que c'est à vous qu'appartient le mystère du royaume de Dieu. To you it has been given to know the mystery of the kingdom of God. Mais pour ceux qui sont du dehors. But to those who are outside. Tout se passe en parabole. All things come in parables. C'est Jésus qui parlait à ses disciples. Jesus speaking to his disciples. Parce qu'on avait remarqué que plus il parlait en parabole. Because he saw that the more he spoke in parables. Les gens ne comprenaient pas ce que Jésus disait chaque fois. People didn't understand what he said. Et tous nous savons que la Bible c'est la parole, c'est Dieu lui-même. And we know all that the Bible is God himself. Alors tellement qu'il y avait des paraboles. So many as were the parables. C'est ainsi qu'on lui a posé la question de savoir pourquoi il le faisait ainsi. So he was asked why was he speaking in parables. Alors il dit le mystère du royaume pour comprendre cela est à vous, non pas à tout le monde. He says the mystery of the kingdom to know it is for you, not for them outside. Ceux qui sont du dehors, ça passe en parabole. Those of outside, it's only parables to them. En d'autres termes, in other words, Dieu ne veut pas que tout le monde le comprenne. God doesn't want everybody to understand him. Tout le monde n'est pas appelé à saisir le mystère de Dieu. Not everybody is called to understand the mystery of God. Au contraire, il y a un groupe de gens. Contrary, there are a group of people qui est sélectionné that are selected pour saisir le mystère de Dieu. To catch the mystery of God. Alors la Bible dit. So the Bible says, ceux qui sont dehors, ils ne doivent pas comprendre. Pourquoi? Those outside can't understand why. Écoutez le verset 12. Listen, verse 12. Afin qu'en voyant, so that seeing, ils voient, they may see and not perceive, et n'aperçoivent point, and not perceive. C'est-à-dire ceux qui sont du dehors, meaning those outside, ils peuvent voir, they can see, mais en voyant. But by seeing, ils n'aperçoivent rien. They perceive nothing. Et qu'en entendant, and hearing, qu'ils ne comprennent rien. They may hear and not understand. Écoute la note qui m'a beaucoup plus saturé. Look what the word was so. La Bible dit. The Bible says. De peur qu'ils ne se convertissent. Hear this. Lest they should turn. Et que le péché ne leur soit pardonné. And their sins be forgiven them. En lisant cette phrase, mes amis, reading this sentence, friends, même un illettré peut comprendre. Even an uneducated can understand. Que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. That God doesn't want everybody to be saved. Même celui qui n'a pas étudié. Now him that's never studied. Il peut facilement comprendre. He can easily understand. Que pour Dieu. That for God, tout le monde ne doit pas être sauvé. Not everybody should be saved. Parce qu'il ne veut pas que tout le monde saisisse son mystère. Because he doesn't want everybody to catch the mystery. Il ne veut pas que tout le monde saisisse ses paroles. He doesn't want everybody to catch his word. De peur que leur péché ne soit pardonné. Lest their sin be forgiven them. Amen. Amen. Et quand vous allez en Romains, when you go to the book of Romans, Romains 9, le verset 16. Romans 9, chapter 9. Mon ami à la technique, si tu peux me donner un peu plus de volume chez moi ici. My friend, if you give me more volume over there. La Bible dit ainsi donc. Verse. Ainsi donc. Est-ce que tu peux seulement répéter, yes, interpréter pour qu'on gagne? That's all.
Ainsi donc, that's all. Cela ne dépend ni de celui qui veut, doesn't depend on he that wanted, ni de celui qui court, neither he that runs, mais de Dieu qui fait miséricorde. But God who gives mercy. La sélection de Dieu, c'est Dieu lui-même qui fait miséricorde. God's selection is God giving mercy to each one. C'est lui qui sait qui peut être sauvé. He knows who can be saved. C'est lui qui sait qui ne peut pas être sauvé. He knows who can't be saved. Et la Bible dit, and the Bible says, il fait miséricorde à qui il veut. He grants mercy to whoever he wants. Et il endurcit qui il veut. He hardened he wants. Ce n'est pas étonnant que tu vois les autres qui refusent Dieu dans la chair. No wonder people refusing God in the flesh. Non, il endurcit qui il veut. No, God harden whoever he wants. Et je voulais t'informer, toi, mon ami. Want to inform you, friend. Ce n'est pas l'erreur quand tu crois Dieu dans la chair. It's not a mistake when you believe God in the parce flesh. Parce que il ouvre les yeux de qui il veut. Because he opens the eyes of whoever he wants. Et il endurcit qui il veut. And he harden whoever he wants. Est-ce que vous aimez, avant que je ne continue, est-ce que vous aimez Frère Branham? Do you like Brother Branham? Je voulais un peu savoir s'il y a les amoureux de Papa Branham. I wanted to know if there are people who love Brother Branham. Alors comme il y a des amoureux de Papa Branham, because they are lovers of Father Branham, je vais un peu lire Papa Branham. Now I'm going to read Father Branham. Parce que sans lui, je ne peux pas prêcher. Because without him, I can't preach. Dans la guérison divine, in a divine healing, au point 133, or quotation 133, faut lui écouter. He said, listen. Ce n'est pas celui qui veut être sauvé qui est sauvé. Not he who desires to be saved can be saved. C'est celui qui est sauvé par le choix de Dieu. But he that is saved by the choosing of God. Il dit, Esaü aussi voulait être sauvé. Esau wanted to be saved. Il a pleuré amèrement. He cried bitterly. Mais il n'avait plus la possibilité de se repentir. He never had the possibility to repent. Il voulait être sauvé. He wanted to be saved. Frère Branham dit, what I'm saying, ce n'est pas parce que vous voulez être sauvé que vous serez sauvé. Not because you want to be saved that you're going to be saved. Dieu lui-même a dit, then God himself said, j'endurcirai qui je veux. I shall harden whoever I want. Et je fais miséricorde à qui je vais faire miséricorde. And grant mercy to whoever I desire to grant mercy. C'est pourquoi je voulais informer à quelqu'un ce soir. That's why I would like to inform somebody tonight. Ce n'est pas ma prédication qui te sauvera. It's not my preaching that shall save you. Aucun prédicateur ne peut sauver un autre. No preacher can save another man. Mais toi, but you, tu as été sauvé. You have been saved. Dès avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Avant que le monde ne soit formé. Before the world was formed. Toi, tu étais déjà sauvé. You were already saved. Avant que tu ne tombes dans ce péché-là. Before you ever fail in sin. Elohim le fort. Elohim the stronger. Il avait déjà prévu la solution à ton problème. He had planned a solution for your problem. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis heureux cet après-midi. That's why I'm happy this evening. Parce que je ne prêche pas à n'importe quel peuple. Because I'm not preaching to any people. Mais je prêche aux frères sauvés. I'm preaching to the brother that are saved. Aux sœurs sauvées. Sister that are saved. Notre pasteur sauvé. Pastor that is saved. Une église sauvée. A church that is saved. Amen. Amen. Ça, dis à ton voisin, tu as été déjà sauvé. Say to your neighbor, you've been already saved. Et remarquez, mes amis. Look, friend. Ce n'est pas tes efforts. Not your efforts. Mais c'est l'élection de Dieu lui-même. But God's election. Il est question du choix de l'Éternel. It's about the election of God. Lui savait déjà. He already knew. Que toi, tu seras ici. That you will be here. Amen. Amen. Ici, je voulais seulement que nous comprenions le premier principe. First, I wanted us to understand the first principle. C'est que Dieu sauve qui il veut. That God saves whoever he desires to. Il choisit qui il veut. He chooses whoever he desires to. Et il endurcit qui il veut. And he hardens whoever he desires to. Voilà ce que je voulais que nous comprenions dans ce premier principe. In that first principle, that's what I wanted you to understand. Alors maintenant, je vous ai dit que nous prêchons sur dénombrer, mains écartées.
Now I told you at the beginning we are pitching on counted, counted yet put aside. Alors allons un peu dans le livre de Nombres. Now let's go in the book of Numbers. En Nombres le chapitre 1 au verset 1. Numbers chapter 1. C'est là que je vais commencer mon message pour ce soir. That's where I shall start my sermon tonight. La Bible dit, je voudrais que tu interprètes seulement. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. The Lord spoke. Now the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai. Dans la tente d'assignation. In the tabernacle of meeting. Le premier jour du second mois. On the first day of the second month. La seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. In the second year after they had come out of Egypt. Il dit, saying, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Take a census of all the congregation of the children of Israel. Selon leur famille, by their families. Selon les maisons de leur père, by their fathers' houses. En comptant par tête les noms de tous les mâles. According to the number of names. Ici c'est Dieu lui-même. Yeah, it's God himself. Qui appelle le prophète Moïse. Calling the prophet Moses. Il lui dit fais le dénombrement de tout le peuple. Make the census of all the people. En d'autres termes, comptez tout le peuple. In other words, go and count all the people. Tu dois compter chaque maison des enfants d'Israël. You must count every family of the children of Israel. Et souvenez-vous, on nous a défini hier la définition de la maison. And remember yesterday we were getting the definition of et what the house is. Ce qui m'avait réjoui, papa a dit, what rejoiced me is the father said. La maison peut être aussi un peuple. That the house can represent also a people. Alors Dieu dit à Moïse, faites le dénombrement. And God said Moses, do the census. Comptez tout le peuple. Count all the people. Le verset 3 il dit, depuis l'âge de 20 ans. Verse 3, from 20 years of et old. Et au-dessus. And above. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Who are able to go to war in Israel. Vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. You and Aaron shall number them by their armies. Toi et Aaron. You and Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu. And with you there shall be a man from every tribe. Chef de la maison de ses pères. Each one of the head of his father's house. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. These are the names of them who shall stand with you. Là c'est Dieu qui dit à Moïse. God speaking to Moses. Choisis le premier fils. Ou soit choisis les enfants de chaque tribu. God said to Moses, choose every children of the tribe. Comme ça, ces enfants, ils vont t'aider à faire le dénombrement. Them children shall help you to do the census. Pour que tu trouves dans chaque famille, il y a combien d'enfants. For you to know in each family how many children in there. Dans la famille de Ruben, il y a combien de peuples là-bas? In the Reuben tribe, how many people? Dans la maison de Manassé, il y en a combien? In the house of Manasseh, how many? Donc, on devrait dénombrer tous les peuples. So people are to be counted. Alors Dieu dit. Then God said. Pour Simeon. And for Simeon. Le verset 6. Pour Simeon. From Simeon. Tu prendras Shelumiel. Shelumiel, the son of. Tu prendras Shelumiel. You shall take Shemiel. Fils de Tsurishaddai. The son of Zakashaddai. Pour la maison de Judas. From Judah's house. Pour la maison d'Issachar. For Issachar's house. Pour la maison de Zabulon. For Zabulon's house. Pour les fils de Joseph. From the son of Joseph. Pour Ephraim. From Ephraim. Pour Benjamin. From Benjamin. Pour Dan. From Dan. Pour Asher. From Asher. Pour Gad. From God. Pour Nephtali. From Nephtali. Dieu dit au verset 16. God says verse 16. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes de tribus, de leur père, chef des milliers d'Israël. These were chosen from the congregation, leaders of their father's tribes, heads of the division of in Israel. Ici, je voulais te montrer un petit tableau. Yeah, I wanted to show you a small picture. C'est que Dieu a appelé tous les tribus. God had called all the tribes. J'ai cité juste les tribus pour que je gagne du temps. I called for only the tribe for me to win in time. Il a cité le tribu des enfants de Jacob. I called the tribe of the children of Jacob. Il a cité tous les tribus des enfants de Jacob. He called all the tribe of Jacob. Mais si vous remarquez, but if you notice, on n'a pas cité la famille ou la maison de Lévi. No
Inside was counted the house of Levi. Lévi faisait partie des enfants de Jacob. Levi was a son of Jacob. Mais ici, remarquez, on a cité tous les enfants. Look here, all of the rest were counted. Ou en d'autres termes, toutes les maisons. All the house was numbered. Sauf la maison de Lévi. Except the house of Levi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ça? Somebody can see. La maison de Lévi, Dieu ne l'a pas cité. The house of Levi, God never called it. En d'autres termes, on n'a pas compté la maison de Lévi. In other words, Levi houses was not counted. On a compté toutes les maisons. They counted all the houses. Mais la maison de Lévi n'est pas comptée. But Levi's house was not counted. Je suis en train de m'imaginer toutes les familles qui ont été citées. I was wondering, I'm thinking that all the family that was counted. Elles pouvaient commencer à se réjouir. They could start rejoicing. L'Éternel nous connaît très bien. The Lord knows us very well. Nous sommes sélectionnés par l'Éternel. We have been chosen by the Lord. Nous sommes dénombrés par l'Éternel. We have been counted by the Lord. D'ailleurs, nous sommes dans les plans de Dieu. Yes, we are in the plan of God. Parce que même la Bible dit. Because the Bible says. Il choisit qui il veut. He chooses whoever he wants. Il sauve qui il veut. He says whoever he says. Et là, je suis en train d'imaginer la maison de Lévi. I can think the house of Levi. Qui s'est repliée dans un coin. That withdrew itself in a corner. Avec les larmes aux yeux. Weeping tears. Disant, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait à l'Éternel? Saying, what did we do to the Lord? Depuis que notre grand-père nous avait maudit. From the time our father cursed us. Il avait dit que la famille de Lévi c'est une famille maudite. Saying Levi's house is a cursed family. Voilà que même l'Éternel n'a pas dit qu'on puisse nous dénombrer. Behold, even the Lord didn't allow us to be counted. Parce qu'on a cité toutes les familles. Because all the family were counted. Sauf nous, la famille de Lévi. Except Levi's house. Et c'était le plaire dans la famille de Lévi. So were crying in the house of Levi. C'était le plaire dans la maison de Lévi. Weeping in the house of Levi. Maintenant écoutez le verset 17. Now look, listen verse 17. Toujours le même chapitre. The same chapter. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par le nom. Then Moses and Aaron took this man who et had been. Et ils convoquèrent toute l'assemblée. And they assembled all the congregation together. Je sais pourquoi je traîne dans la Bible. I know why I'm lingering in the Bible. C'est parce que je sais que la dédicace c'est une affaire de la Bible. Because dedication is a matter of the Bible. Ils convoquèrent tous ces gens. The Moses Aaron took this man. Les premiers jours du mois du second mois. The first of the second month. On les enregistra selon leur famille. And they recited their ancestry by family. Selon les maisons de leur père. By their father's houses. En comptant par tête les noms depuis de 20 ans et au-dessus. According to the number of names from 20 years old and above. Ils étaient enregistrés selon leur maison. They were recited according to their houses. Dénombrés selon leur maison. Counted according to their families. Quand vous irez lire à la maison, vous allez trouver, on a même donné le nombre. Telle famille, ils étaient au nombre de telle. Telle famille, ils étaient au nombre de telle. Mais sauf la famille de Lévi. When you go to a place, you're going to number even the number of people that were in each family. Est-ce que vous continuez à aimer la Bible? Do you still love the Bible? Allons encore à nombre 1. Un petit voyage en nombre. Let's go to number still. Toujours nombre 1, 48. Now, verse 48. L'Éternel parla à Moïse et dit. 48 now. Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi. For the Lord had spoken to Moses, saying, "Only the tribe of Levi you shall not number." Et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Nor take a census of them among the children of Israel. Si vous remarquez, ils sont écartés. Notice they have been put aside. 50. 50. Remets au soin des Lévites le tabernacle du témoignage. But you shall appoint the Levites over the tabernacle of the testimony. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Now the Lord speaking. Il dit, ne comptez pas le peuple ou la maison de Lévi. Say, don't number the house of Levi. Mais quant à la maison de Lévi, remets au soin les Lévites le tabernacle du témoignage. But you shall appoint Levites over the tabernacle of the testimony. Tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Over all the furnishing and over all. Things that belong to it. Les Lévi. Ils porteront le tabernacle et tous les ustensiles. They shall carry the tabernacle and all the furnishing. Remarquez que le tabernacle était portable. Look, the tabernacle was carryable. C'était un tabernacle ambulant. It was a walking tabernacle. Ils en feront le service.
They shall attain to its camp. Et ils camperont autour du tabernacle. And they shall camp around the tabernacle. J'aimerais que tu remarques, mes amis. I want to notice, friend. Les Lévites ne sont pas comptés. Levites were not numbered. Ils ne sont pas dénombrés. They were not numbered. Mais eh, leur rôle. But their role. C'est de rouler tout autour du tabernacle. Was to walk around the tabernacle. Ils contournent le tabernacle. They had to walk around the tabernacle. Ils sont près, côte à côte du tabernacle. They are close to the tabernacle. Ils sont le seul peuple qui puisse entrer dans le tabernacle. They are only people to enter into the tabernacle. Ils sont les seuls peuples qui avaient l'accès au tabernacle. Only people who had access to the tabernacle. Mais tous ceux qui étaient dénombrés, but all that were counted, écartés. Oui, put ça. Suivant. Look. Suivant. Allons encore à Nombre 1, 51. Let now go to verse 51. Je sais pourquoi je traîne dans la Bible. I know why I'm lingering in the Bible. Parce que la Bible c'est notre livre. Because the Bible it is our book. Et il n'y a aucun peuple sur la terre qui puisse comprendre la Bible. No other people on the earth can understand the Bible. Si ce n'est que le peuple de Malachi 4. But the people of Malachi 4. Écoute, Dieu continue à parler. Listen, God still speaking. Il dit, quand le tabernacle partira. And when the tabernacle is to go forward. Le tabernacle faisant comment? What quand il partira. When the tabernacle shall donc go c'est un tabernacle qui marche. So a walking tabernacle. C'est une maison qui se déplace. A house that is moving. C'est une maison qu'on peut voir là-bas, on voit encore ici. A house you can see there, you can see j'ai there dit also. Quand le tabernacle partira. And when the tabernacle is go forward. Les Lévites le démonteront. The Levites shall take it down. Quand le tabernacle campera. And when the tabernacle is to be set up. Les Lévites le dresseront. The Levites shall set it up. Écoutez maintenant ce qui suit ici. Listen what follows. Dieu dit. God says. Et l'étranger qui en approchera sera puni. The outsider who comes near shall be put to death. Un étranger qui va s'approcher du tabernacle. A stranger coming close to the tabernacle. Il sera puni de mort. Will be punished of death. Écoutez. Listen. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp. The children of Israel shall pitch their tent everyone by his own camp. Chacun près de la bannière selon leur division. Everyone by his own standard. Ils étaient dénombrés mais chacun dans son camp, dans sa maison. Personne ne s'approche du tabernacle. They were numbered by each one in his house. No one close to the tabernacle. Est-ce que quelqu'un voit comment on a écarté tous les autres? Somebody can see how others were put aside. On a mis tous les autres à côté. They put the other one aside. Ils sont dénombrés. And they numbered. Dénombrés. They numbered. Mais écartés. Yet put aside. Il n'y a qu'un seul peuple. Only one people. Qui a l'accès au tabernacle. That can access to the tabernacle. Qui peut entrer dans le tabernacle. He can enter the tabernacle. Qui entre dans le lieu saint. Who enter the holiest place. Qui passe le lieu saint. Qui entre même dans le saint des saints. And go to the most holy place. C'est quel peuple. Which people. Le Lévite. Levi. Seuls les Lévites. Only Levi. Et qui les a choisis. And who chose them. Dieu lui-même. God himself. Ils n'ont pas fait la propagande. They didn't make some propaganda. Ils n'ont pas fait la publicité pour qu'ils soient aimés. Never did publicity. Mais Dieu lui-même. But God himself. Les a aimés. Love them. Sans leurs efforts. Without their efforts. Sans fournir d'efforts. Without putting effort. Aimés par Dieu lui-même. Loved by God himself. Est-ce que quelqu'un peut répéter ceci après moi? Somebody can repeat this after me. Tu t'es peu dénombré. Say numbered. Répète à haute voix. Dénombré. Say numbered. Dénombré. Numbered. Mais écarté. But put it aside. Oh, nous la famille de Ruben. Oh, Ruben family. C'est nous qui avons ceci. We got this. C'est nous qui avons cela. We got this. Oui. Yes. Vous êtes la famille de Ruben. You are Ruben family. Mais dénombré. But numbered. Écarté. But put it aside. Oh, nous sommes la famille de Manassé. We are Manassé family. C'est nous qui avons ceci. We got this. Oui. Yes. Mais dénombré. Numbered. Écarté. But put it aside. Ah, j'aime la Bible. Oh, I love the Bible. Je sais pourquoi je traîne un peu dans cette Bible. I know what I'm lingering on this Bible. Écoute maintenant la chose qui se passe. Listen to what happened. Dans Nombre 3, 11.
In Numbers chapter 3, verse 11. L'Éternel parla à Moïse et dit. Then the Lord spoke to Moses saying. Voici. Now behold. J'ai pris le Lévite du milieu des enfants d'Israël. I myself have taken the Levite from all among Israel. À la place de tous les premiers nés. Des premiers nés des enfants d'Israël. Instead every firstborn of the womb from among Israel. Les Lévites m'appartiendront. Therefore, Levite shall be mine. Qui parle ici? Who is speaking? L'Éternel lui-même. The Lord himself. Les Lévites m'appartiendront. Levite shall be mine. Les Lévites, c'est mon choix. Yes, Levite is my choice. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. You can choose whatever you want. Mais moi, l'Éternel. But I, the Lord. J'ai choisi les Lévites. I've chosen Levite. C'est pourquoi est seul. That only them doivent être en connexion avec le tabernacle. Get to be connected to the tabernacle. Doivent avoir la communion avec ma maison. Will have fellowship with my house. C'est pourquoi vous avez vu un jour. That's why you saw one day. Il y a eu quelqu'un toujours israélite mais d'une autre tribu. Somebody who is but from one another tribe. Qui a voulu s'aventurer avec les interdits dans le royaume. He adventured with things that were forbidden. Il s'appelait le frère Uzza. He was called Brother Uzza. Vous connaissez tous l'histoire. You know the story. Il est venu, il a touché à l'arche. He came and touched the ark. Tous nous connaissons les sœurs de cet homme. We know the story of that man. Il a été frappé de la mort sur place. He was struck of death there. Pourquoi? Why? Il n'était pas lévite. He was not a Levite. Il fallait être lévite. He had to be a Levite. Pour avoir la connexion avec l'arche. To touch the ark. Pour avoir la connexion avec le tabernacle. To touch the tabernacle. Amen. Amen. Et que signifiait l'arche? What? Faut-on dire l'arche, c'était le type du Seigneur Jésus-Christ. Bram said the ark was the type of the Lord Jesus Christ. Donc, l'unique peuple qui pouvait être en communion même avec Christ. So the only people to have fellowship with Christ. Les Lévites. Only Levites. Salut un peu Dieu au voisin, dis-lui les Lévites. Say to your neighbor, Levites. Dis-lui seulement les Lévites. Said only Levites. Maintenant. Now. Je commence maintenant à prêcher. I'm going to be starting preaching now. C'est maintenant que mon message commence. Now my message is starting. Je voulais juste poser le petit fondement. Just wanted to lay a better foundation. C'est là que nous allons nous envoler. That's where we shall be flying. Je me suis posé une question. I wondered myself. Pourquoi Dieu s'est plus attaché au peuple qu'on appelle les Lévites? Why God had so much attention upon the people called Levites? Pourquoi seuls les Lévites avaient l'accès au tabernacle? Why Levite people only had access to the tabernacle? Pourquoi eux seuls avaient l'accès même à l'arche? Why them only had access even to the ark? J'ai posé cette question au cardinal, mais personne ne m'a pas donné la réponse. I asked the question to the cardinal, but no one answered me. Je suis allé même chez le pape de Rome, même lui ne sait pas. Even went to the pope of Rome, even he doesn't know. Pour avoir la réponse à cette question. To have the answer to the question, il fallait se connecter au décodeur de la parole. I had to cling to he that opened the words. Il fallait se connecter à la bouche autorisée. To connect myself to the mouthpiece. Se connecter à l'homme qui pouvait aller dans l'enfer et au ciel sans avis. To connect to he that went to heaven in hell. Il avait le passeport pour l'enfer et pour le ciel. He had passport for heaven and hell. Et son nom c'est William Marion Branham. His name is William Marion Brennan. Dans question et réponse, Frère Branham dit. Question et réponse says. Au point 246. Quotation 246. Il dit, oh, alléluia. He said, oh, alléluia. Si vous pouvez comprendre ce que c'est le temple. If you can understand what is the temple. Il dit, les Lévites. He said, the Levite. Était l'épouse. Was the bride. Qu'est-ce que les Lévites? What is Levite? Les Lévites étaient l'épouse. Levite represents the bride. Et qu'est-ce que l'épouse? So what is the bride? L'épouse, c'est celle qui a cru le message du temps de la fin. The bride is those who believe the end time. Je veux dire, les Lévites, c'est vous. I believe, mais c'est vous. You. You are. C'est vous. It's you. Aujourd'hui. Today, l'unique personne, the only person, ou l'unique peuple, the only people, qui a accès à Christ, that can touch Christ, qui a accès au trône de Dieu, that can have access to the throne of God. Ce n'est pas le pape de Rome, not the pope of Rome. Ce n'est pas qui que ce soit, not whoever. L'unique peuple qui a accès au trône, the only people access to the c'est throne. Le peuple de Malachi 4. It is the people of Malachi 4. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle. That's why. Le Dieu du ciel. The God of heaven. Lui qui change de forme. He that changes forms.
Lui qui change de forme. He that changes form. Un jour il a compris. One day in the soul. Que être esprit ça ne me suffit pas. To be spirit is not enough. Il est descendu depuis le jardin d'Eden. He descended out of Eden. Il a formé un corps de chair. He formed a body of flesh. Lui-même est entré dans un corps. He entered in the body. Et aujourd'hui. And today. Dieu a compris. God understood. Que la dispensation doit changer. That dispensation must change. Même lui a changé de forme. He changed form. De la même manière. The same way. Que le tabernacle marchait en désert. The tabernacle walk in the wilderness. C'est de la même manière. The same way. Que le tabernacle aujourd'hui. The tabernacle today. A fait cette fois le tour du monde. Went around the world. A fait cette fois le tour du monde. Seven times. William Branham. William Branham. Il est le tabernacle de Dieu. Is God tabernacle. C'est pourquoi un jour. That's why one day. William Branham dit. William Branham says. Demandez au docteur Samadé. Ask to doctor. Demandez au docteur Samadé. Ask to doctor Samadé. Quand il a une situation difficile. When he got a difficult case. Quand il a un problème difficile. When he got a difficult case. Samadé revient chez moi. Samadé comes to me. Il vient chez moi. He comes to me. Il s'agenouille devant son Dieu. He kneels down before his God. Jusqu'à ce que la réponse descende. Until the answer comes. Qu'est-ce que c'est, mes amis? What is it, friend? Le tabernacle de l'Éternel. The tabernacle of the Lord. C'est pourquoi un jour. That's why one day. Il y a eu une femme. There was a woman. Qui est venue dans la ligne de prière. That came in the line of prayer. Pour qu'elle puisse recevoir la guérison. For her to be healed. Elle arrive dans la salle. She came to the room. Elle trouve que la ligne de prière était déjà remplie. Said the line of prayer was filled. Il n'y avait pas moyen que Fabranam puisse lui imposer les mains. No problem to lay hands upon her. Fabranam dit. Bram say. Cette dame s'est retirée au fond de la salle. That woman. Withdraw herself from the elle corner. Est allée au fond de la salle. She went back there. Elle s'est dit dans son cœur. And she said to her heart. Comme je n'ai pas la possibilité qu'il m'impose la main. Because I can't touch him, let him. Alors aller. Je vais me tenir derrière la salle. So he stand at the back of the room. Pour chercher un endroit. To look for a place. Où je peux fixer mes regards sur Branham. Where I can have my eyes upon Branham. Une fois. Que je vais fixer mes regards sur lui. Once I got eyes le Dieu du ciel va me guérir. The God of heaven shall heal me. J'ai une bonne nouvelle pour toi. I got a good news for you. Ce soir. This evening. Même si tu ne vois pas le corps de Branham. Even though Branham is not there. Mais frère Branham dit. Branham say. Le message est le messager. The message, the messenger. Le message est le messager. The message, the messenger. Ils sont un. They are one. Ce soir au nom de Jésus. It's in the name of Jesus. Peu importe ta situation. No matter your situation. Regardez au temple. Look to the temple. Regardez au temple. Look to the temple. Regardez au temple. Look to the temple. Peu importe ta situation. No matter your situation. Il y a ici plus que Salomon. Ici est mort de Salomon. La grande colonne de feu. The great pillar of fire. Le Dieu de William Branham. The God of William Branham. Et frère Branham me dit. Abraham says. Je suis venu au monde. I've come to the world. Dans un seul but. For one purpose. Dans un seul but. For one purpose. J'ai dit, Fabram, c'est quel but? Il dit, je suis venu. I was come to the world. C'est pour bénir les gens. To bless the people. Maintenant, au nom de Jésus. Now in the name of Jesus. Soyez bénis. Be blessed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Soyez prospères. Be prosperous. Peu importe ta situation. No matter your situation. Le Dieu de Branham vit encore. The God of Branham still lives. Et frère Branham dit. Branham says. Je n'irai jamais avec la colonne de feu. I'm not going with the pillar of fire. Il dit, elle doit rester. Avec l'épouse. It must remain with the bride. Qui est épouse? Where is the bride? Qui est épouse? Who is the bride? Le Lévite. Levite. Qui est Lévite? Who is Levite? C'est vous. It is you. C'est pourquoi je t'informe. That I inform you. Tu n'iras jamais en enfer. You are not going to hell. Tu n'iras jamais en enfer. You are not going to hell. William Branham dit. William Branham say. L'ange m'a dit. The angel told me. Tout. Tout ce que tu as aimé. All you ever loved. Tout ce que tu as aimé. All you ever loved. Et que tu as aimé. And you loved. Tout ce que tu as aimé. All you ever loved. Et qui t'ont aimé. And who love you. Laissez-moi te révéler une chose. Let me reveal something. Tu sais pourquoi l'ange a dit. You know what angel says. Tout ce que tu as aimé. All that you ever loved. Et qui t'ont aimé. And who loved you. C'est parce que l'ange savait because the angel knew que toi tu allais venir dans ce message, that you will come to this message après le départ du corps de frère Branham. After the departing of the body of Brother Branham. Il savait que tu allais aimer Branham alors que tu ne le vois pas comme ça. He knew you will love him
without seeing Brother Branham. C'est pourquoi l'ange a dit, that what angel said, pour ce que tu as aimé, you have loved, et même ceux qui vont t'aimer au Gabon, even those who shall love you, je te le donne, je te le donne, I give them to you. Recevez le Saint-Esprit, receive the Holy Spirit. Recevez la guérison, receive healing. Recevez le désir du cœur, receive peace of heart. Pourquoi? Why? Nous avons le tabernacle. We got the tabernacle. Que le Seigneur vous bénisse. And the Lord bless you. Ruben, you are of Ruben tribe. Tu es de la tribu de Manassé. Are you of Manassé tribe? Oui. Tu es Ephraim. Are you Ephraim tribe? Donc tu es Lévi. So you are from Levi. Donc tu as l'accès au tabernacle. So you have access to the tabernacle. Amen. Amen. Oh, c'était un merveilleux message. Oh, it was a wonderful message. Que Dieu bénisse notre frère. God bless our brother. Et je crois que ça va encore fermenter et fermenter. And I believe it will be stronger and stronger again. Frère Branham me dit que quand vous avez le vin, Branham said that when you get wine, et plus le vin dure longtemps, and the more it is kept the wine, alors le vin fermente. Then there is fermentation. Si vous voyez que le vin a duré, vous avez un liquide qui a duré. If you see the wine was kept for quite a long time, et que vous buvez ça, c'est acide. Yet you drink it, it's bitter. Ce n'est pas le vin. Then it's not wine. Frère Branham dit ça, c'est les jus de raisin. Branham said that the juice of grape. Mais il dit le vin. But he said wine. Cela se fermente. That get fermented. Et ça devient plus fort et plus fort. And it becomes stronger and stronger. Mais il a aussi dit. And he said also, si vous prenez, si vous avez du vin nouveau, if you get a new wine, si on met ça dans des vieilles outres, if they are put in all bowls, cela va s'éclater. That will burst. Donc je sais pas quel genre d'outre vous êtes ce soir. So I don't know what kind of bowls you are tonight. Frère Branham dit une nouvelle outre. Branham said that a new bowl. Il dit c'est la peau. Say it is the skin. Et quand le vin se fermente, ça peut s'écarter. And when the wine is fermenting itself, it can burst. Parce que c'est elle encore nouvelle la peau. Because the skin is still new. Mais la vieille outre est serrée. But the old one is thick. Si on met le vin dedans, if you put new wine inside, alors ça explose. It will burst. Alors j'aimerais que vous soyez des nouvelles outres aujourd'hui. So I want to be new bowls tonight. Parce que ça va se déverser et se déverser encore. Because it's going to be pouring, pouring, pouring again. Amen. And again. Amen. Alors nous remercions le Seigneur pour la parole. So we thank the Lord for the word. Merci Seigneur. Thank you Lord. Parce que nous avons reçu la parole. Because we've received thy word. Et nous allons continuer à la recevoir. And we keep on receiving it. Merci d'avoir donné de l'onction à tes serviteurs. Thank you for the anointing upon your servants. Et nous d'avoir accordé que nous soyons ici. And granting us to be here. Bénis la suite Seigneur. Bless the coming forward. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ok. Nous right. avons des personnes qui sont venues encore nous visiter ce soir. We have some people who have come to visit us again tonight. Alors j'ai des prédicateurs. The preachers. Ils vont simplement s'élever quand je lis leur nom. They shall only stand when I'm going to be reading their names. Nous avons le frère Tukanda Pierre. Brother Tukanda Pierre. Ok. Que le Seigneur le bénisse. God bless you, brother. Il vient de l'église Maturité Tabernacle. He comes from the church Maturity Tabernacle. Ok. Nous avons, avant de faire passer donc le deuxième intervenant, so before the second preacher comes forward, nous allons donner la place à notre frère Jean Lys de Sunset Tabernacle. Brother Jean Lys of Sunset Tabernacle. Qui veut chanter le Seigneur. You would like to sing for the Lord. Nous allons l'encourager. We shall encourage him. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chanter pour la gloire du Seigneur. Comme nous venons de l'entendre
même Dieu a dû faire un choix. Il a dû choisir ceux qui seront les Lévites et ceux qui seront mis de côté. C'est pour ça que je vais chanter le choix ce soir. I would like to sing about the choice, choosing, as you've been told. Parti en voyage avec son fardeau sur son dos, il rencontra un jeune homme qui fit route avec lui. Le vieillard titubé sous le poids de son fardeau, alors le jeune homme lui dit: laisse-moi porter ton fardeau, pour que tu te sentes léger, pour que tu puisses bien marcher. Le vieillard refusa de se débarrasser de son poids. Il lui dit: c'est quelque chose que tu ne pourras jamais enlever. Porter seul mon fardeau, laisse-moi porter seul mon fardeau. Oh. Et quand la mort s'annonça, le vieillard s'arrêta. Quand il ouvrit son fardeau, quel étonnement le jeune homme, pourquoi trimballer toutes ces pierres, pourquoi mourir sous le remords? Le vieillard répondit: écoute mon conseil, ô jeune homme, toutes ces pierres que tu vois représentent chacune un mauvais choix. À la vie sur la choisis mal, c'est un fardeau toute ta vie. Alors tu creuseras une tombe où tu vas bientôt m'enterrer, où tu vas bientôt m'enterrer avec mon fardeau sur moi. Et tu écriras sur ma tombe: ici repose le vieil avec son fardeau qui trimballa toute sa vie. Oh oui, Agapao, où n'est que choix. La vie sur terre n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. La vie sur terre n'est faite que de choix, que de choix. Tu dois donc choisir le bon choix, le bon choix. Le bon choix libère et le mauvais choix c'est un pardon. Aller au ciel c'est un choix, aller en enfer c'est un choix. Être chrétien c'est un choix, être païen, c'est un choix.
choisir, c'est aussi un choix. Choisir trop tôt, c'est un choix. Choisir trop tard, c'est un choix. Choisir vous-même. Oui, c'est choisir pour vous, c'est un choix. Se prononcer, c'est un choix. S'abstenir, c'est un choix. Se décider, c'est un choix. Être indécis. Dieu bénisse ce jeune garçon. God bless the young boy. C'est notre garçon là, frère Jean. Is that a young boy? Oh yeah, it is. C'est merveilleux ça. Oh, wonderful. Tu as fait le bon choix de chanter le Dieu que ton père prêche. Amen. You made the right choice to sing the God that your father is preaching. Ok, maintenant nous allons inviter le pasteur Nathan Epengé pour nous apporter la parole. Now we're gonna call for Pastor Nathan to bring the word. Frère Nathan, vous êtes